que j'ai dit. La boîte, elle est un peu dure. Ouais, j'essaie de bien m'alimenter, donc des pâtes, des fruits, boire énormément d'eau. Je fais une bonne douche entre chaque relais, j'essaie de bien me reposer. Quand j'en sens l'utilité, bah bien se faire décontracter le haut du dos, les épaules. Et puis voilà, se détendre un maximum de façon à repartir assez serein. Combien de temps tu entres de relais? En moyenne, 1h30 à peu près. Tout dépend, suivant les safety cars, suivant les aléas de la course. En moyenne, c'est à peu près 1h30. Ouais. On commence à économiser le matériel. À la tombée de la nuit, on va passer une autre gamme de pneus un peu plus soft pour la nuit, de façon à être un petit peu plus à l'aise dans des conditions un peu plus fraîches. Au petit matin, avec la tombée, l'humidité, tout ça, c'est jamais trop facile. Il faut être vigilant sur les lignes blanches. Il faut savoir rester vigilant. Surtout là, dans la position à laquelle on est, je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc pas doubler absolument. Prendre le temps de doubler, même si on perd une seconde au tour, bah tant pis. Vaut mieux perdre une seconde que 10 tours à réparer la moto. Michelin, une meilleure façon d'avancer.